je dis bonjour à ma femme le matin, je fais semblant. Quand je la remercie pour son merveilleux petit déjeuner, je fais semblant. Quand elle me voit aller travailler, je fais semblant. Quand elle m'appelle au boulot et que je lui dis combien elle me manque, je fais semblant. Quand je rentre à la maison et que je mange le repas qu'elle a préparé, je fais semblant. Lorsque ses parents appellent disant qu'ils veulent nous rendre visite pour la première fois depuis des années, je fais semblant. Lorsque les voisins me demandent comment je vais depuis l'accident, je dois faire semblant. Quand je tire les rideaux pour m'assurer que personne ne peut nous voir, je dois faire semblant. Quand ma femme commence à sentir horriblement mauvais, je dois faire semblant. Quand ma femme commence à se décomposer de plus en plus rapidement, je dois faire semblant. Quand ma femme me souhaite une bonne nuit, je dois faire semblant. Parce que si j'arrête une seule seconde de faire semblant, la personne ou la chose qui s'est glissée dans le corps de ma femme et qui l'a fait bouger pourrait bien décider elle aussi d'arrêter de faire semblant.